Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment faire cette perruque. Oui, c'est une perruque. Donc, cette perruque afro que j'ai fait avec des mèches afro. Donc, sans plus tarder, je vais commencer ma vidéo. Alors, pour faire ma perruque, j'aurai besoin d'un bonnet à perruque spécial crochet braids. Donc, vous voyez, les trous sont faits exprès pour les crochet braids. J'aurai ensuite besoin d'une mèche afro. Celle que j'utilise, c'est la mèche Soft and Silky que vous trouverez au prix de 5,99 €. Alors, cette mèche, je vais la couper en deux pour avoir la taille que je veux. Vous pouvez la garder pour cette longueur en une, mais moi, je vais la couper en deux pour avoir la taille que je veux. Alors, pour avoir à la fois un effet propre et naturel, je choisis de diviser ma mèche en trois sections. Pour faciliter aussi le crochet. Donc sans plus tarder, je vais commencer à crocheter mèche par mèche. Généralement pour les crochets, je fais deux nœuds autour de la mèche, mais cette fois-ci je n'en ferai qu'un vu que la mèche elle est fine et elle est afro. Donc pour que mon bonnet tienne longtemps, je m'arrange à faire des espaces assez grands entre les mèches derrière. Devant, je diminuerai un peu les espaces, mais derrière, je m'arrange à mettre de grands espaces. Voilà, j'ai fini de crocheter ma perruque, donc j'ai mon effet rayon visible devant, je suis contente. Alors je commence à coiffer ma perruque. Donc pour la coiffer, je vais simplement prendre un peigne à cheveux, un peigne à cheveux afro, avec lequel je vais peigner ma perruque. Et ensuite je vais tailler les bouts pour avoir une coiffure plus esthétique.
Voilà, j'ai fini ma perruque. Donc voilà le résultat que ça donne. J'ai vraiment l'effet naturel, on dirait mes cheveux. Donc je peine un petit peu pour voilà, avoir un meilleur rendu. Puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez cette perruque, rendez-vous sur mon site www.htcosmetics.fr ou sur ma page Facebook qui s'affiche juste en bas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.